Et coucou! C'est nous! Les successeurs! De Mickey! Donc on se retrouve encore pour... Pour une petite vidéo fan art. Donc cette fois-ci, on va prendre... On va vous présenter des fanarts donc de princesses en robes, robes qu'elles auraient dû porter en fait, qui sont historiquement correctes. Voilà. Donc ça a été fait par Claire Hummel et nous allons commencer tout de suite. Et la première. Et la première. Qu'est-ce qu'elle fait? Et la première, c'est Jasmine. C'est Jasmine. Disons que ça peut ressembler tout à fait à ce qu'elle porte. Bah ouais, moi ça me choque pas parce qu'elle a le sarouel très ample, ça change pas trop en fait. Donc on peut dire que la tenue de Jasmine est assez correcte. Ouais, bah ouais. Bon, elle est peut-être moins décolletée, si, quoique. J'arrive pas à voir, on a l'impression qu'elle a un truc blanc dessus. On y va. Ah oui. On y va. Allez, on y va. Explorons. Ouais, je crois que c'est un gros décolleté avec une petite décoration. Pour éviter que ça ressorte. Tissu peut-être. Ouais. Du coup, c'est un petit peu plus, j'ai pas envie de dire cochon, mais... Un peu plus osé, peut-être. Voilà, un peu plus... Non, mais c'est... Voilà, moi, ça me choque pas. Déjà, c'est vert. Ouais. Vert bleu, comme sa tenue, qui est aussi... qui est bleu. Donc, ça passe. La coiffure est la même. Enfin, il y a pas de... Raja, tout va bien. Il a déchiré le... Ah, c'est trop bien. Il a déchiré le caleçon du sultan. Ah oui. T'as vu? C'est vrai. Pas du sultan, du... Comment il s'appelle? Le prétendant, là, comment il s'appelle? Ah, je sais pas. Il m'intéresse tellement pas, lui. Ouais. Belle. Oula. Alors, c'est jeune aussi, hein. Bah, je pense que c'est par rapport au... J'aime pas sa gueule. Je pense que c'est par rapport à la robe qui devait être à l'époque La Belle et la Bête, avec plus rembourrée. Avec les arceaux en dessous, là. Voilà, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bah, c'est vrai qu'il lui aurait collé un machin comme ça dans le film pour danser, ça aurait été comique. Avec la bête, ouais. Du coup, on sait qu'ils ont modifié ça. Ouais. Sinon, ouais, la robe est... Après, elle est dans le même esprit, hein. Ah oui, t'as oui. T'as le truc qui retombe sur les épaules, les nœuds... C'est vrai qu'en fait, Disney a pris des robes à peu près d'époque, mais les ont simplifiées, en ouais, fait. Ouais. Suivant. Ah. Megara. On s'en rapproche un peu. J'aime beaucoup ce dessin. Ouais, j'adore. Que Belle, j'aimais pas sa gueule. Ouais, c'est vrai. Alors, quelle ça passe? Disons que la robe est la même, moi, je trouve. Quasiment. Bah, je me souviens plus trop comment elle est faite, mais ouais, elle est simple, alors... Ouais. Non, j'aime bien. Mais... Non, elle est elle très belle. Elle a le profil grec, du coup. Ouais, ça a été fait exprès. je pense que ça a été fait. Par j'arrive pas à voir ce qu'elle a sous le bras. On dirait un morceau de... Ah, c'est un casque. Regarde. Ah, un casque, oui. Ah, oui. Au début, j'ai cru que c'était un bout d'une statue. Non, c'est un casque. J'aime bien celui-là. C'est quoi? C'est Marianne. Oh mon dieu. Ça pour le coup c'est un petit troll. Elle a déchiré ses vêtements là pour le coup. Elle crache des trucs, non? Non. Ouais. Je pense dire que... Des bijoux, non? Des perles, je sais pas. Je sais pas. Dites-nous si vous comprenez ce que c'est. Oh. Blanche-Neige. Bah limite la robe est... Enfin là elle est plus belle. Elle est jolie cette ouais. robe, ouais. Ouais, ouais. Bon du coup ils ont gardé... Ils ont gardé... Ah, je sais pas. Non, elle a pas ça, hein. Non. Elle a pas ça. Non, elle a de la dentelle qui dépasse de dessous, tu sais. Ouais. Ah oui. Le bas de la robe est juste jaune, en fait. Il n'y a pas de motif. Mais cette fameuse... J'aime bien cette robe. C'est joli. Cette fameuse Claire, elle a dû faire des sacrées recherches, hein, parce que... Déjà que tous les Disney, c'est pas forcément indiqué exactement à quelle époque ça a été fait. Après, tu devines par rapport aux indices qui te laissent... Oh. Pocahontas, c'est une robe simple comme Pocahontas a, hein. Ouais, mais elle est bizarre, Pocahontas. Bah, elle a pas réussi à peindre en mille de couleurs. Non, là, oui, pour le coup. Je la trouve... je sais pas. Manque de joie de vivre. Elle a pas de... Même elle a pas de poitrine, t'as vu, ça fait... Bah, peut-être qu'ils ont fait quelque chose de plus réaliste, parce que... Ouais, et puis elle fait la gueule. En tout cas, il y a un oiseau qui essaye de lui parler. Ah, Tiana. Ça, c'est joli, ça, j'aime bien. Vachement belle, ouais. Avec les lucioles. Et le diadème, on peut dire ça. Ouais. Hein. Non, ça. Et puis, ça illustre bien l'ambiance du dessin animé. Là. Ouais, avec le nénuphar. Ouais. Oh. Oui.
Ben, du coup, c'est vrai qu'on remarque du coup que pour la première robe d'Elsa, parce que la deuxième, c'est clairement pas un truc qu'on pouvait trouver à ce genre d'époque. Parce que la deuxième, ça fait clairement robe de fée, quoi. Ouais. Ça fait pas du tout pas reine. Avoir une robe comme ça, non. Là, pour le coup, oui, ça fait robe que tu peux, oui. Ouais. Mais avec une cape plus travaillée, avec une robe avec plus de détails. Bizarrement, je préfère les autres dessins. Et avec des épaulettes qui ressortent. Ouais. Choum. Claire et Mel, c'est bon. Comme quoi. Ouais. En couleur de la robe de prêt. Mais on voit que la. On voit bien que du coup. Claire Hummel n'a pas beaucoup changé le style, donc c'était vraiment ce style là. Cendrillon, ça s'en rapproche, mais apparemment les rayures étaient à la mode à l'époque. Ouais. Mais bon, en même temps on peut pas trop lui en vouloir parce que dans le film c'est une fée qui lui donne cette robe, donc Non, je crains pas, mais ça fait un peu plus comment dire, moi ça me rappelle un peu les robes qu'elles avaient, genre dans les films de Far West, tu vois, les cow-boys, tout ça. Ah, les dames de... Bien vu, ouais. Ça me rappelle un peu ces robes-là. Cendrillon était une cow-boy, vous le saurez. Oh, joli. Bah du coup, le fait que... Là, je pense qu'elle a pu plus se lâcher dans les dans le dessin, parce que quelque part, une sorcière peut porter n'importe quel type de robe. Alors, oui. C'est sympa. J'aime bien les dragons ouais. sur la robe. Elle a dû réussir à trouver qu'à l'époque, ils faisaient pas mal d'imprimés. Et ça, là, la coiffure qu'elle a, là, ça, ouais. c'était typique, ça. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment ça s'appelle, en plus. Oh, je sais pas du tout. Franchement, là, je sais pas. Mais c'est les coiffes de l'époque, quoi. Il faudrait qu'on trouve cette robe. Non, mais elle est super jolie. Aurore. Ah, j'aime bien. Là, pour le coup... Bleu. Là pour le coup c'est vraiment très différent de ce que Aurore porte. Je crois que c'est la plus différente. Ouais. Parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs couches entre guillemets. C'est pas du tout. J'aime bien celle-ci moi. Et ce qu'elle porte sous la couronne, l'espèce de voile on va dire. Ça c'est le genre de truc que quand tu l'avais, t'étais obligé de le mettre quoi. Donc ils ont dû prendre la liberté de l'enlever du dessin animé. Je pense, on n'est pas historien, on le précise. J'aime beaucoup moi celle-ci. Réponse. Ah, là aussi, parce que Réponse, c'est vrai qu'elle a une robe vraiment pas intéressante. Non, tu t'en souviens, mais. Il y a rien du tout. Hein. C'est juste en même temps, si elle était fournie par sa belle. Enfin, par sa fausse mère. Là, oui, c'est plus sympa. Ouais. Il y a plus de détails l'interne. Il y a même Pascal. Il n'a pas changé de robe, lui. Non, lui, il n'a pas changé. Ariel. Déjà, je trouve que sa robe est moche, Ariel. Enfin, elle n'est pas intéressante. Elle a pas de robe. Elle est rose, sa robe. Oh, je me souviens plus. D'ailleurs, le rose lui va pas du tout. Bah oui, parce que déjà les cheveux rouges. Alors... Ouais. Ça fait un peu trop ton sur ton. C'est vrai que le vert lui va mieux, mais je sais pas. On a trop l'habitude de la voir en sirène. Tu sais, elle a une grosse robe rose. Une robe rose avec des grosses épaulettes aussi. Ouais. Mais tu sais pourquoi ils aiment bien la mettre en vert? Non. Parce que la couleur de sa queue, c'est le vert. C'est vrai. Je pense que c'est pour ça. Après, elle a une autre robe aussi. À un moment, elle est bleue. Et elle est jolie celle-ci. C'est dans Embrasse-la, tu sais. Oui, elle, ça va. Elle a parce qu'elle espèce de bustier noir. Elle fait pas princesse, ouais. elle fait bien. J'aime bien celle-là. Elle passe. Oh, Mulan. Bon, là, du coup, ça peut pas nous surprendre parce qu'on sait tous à peu près à quoi ressemble le kimono de Mulan pour les gens qui sont maquillés. Bah là, ça fait un peu geisha, traditionnel voilà. Chinois, quoi. Là, il n'y a pas de surprise. Et voilà. Bah, du coup, quel a été ton préféré, toi? Alors, moi, j'ai bien aimé Maléfique, forcément. Oui, Maléfique, j'aime bien Megara. Mais Megara est pas mal. Et j'aime bien Aurore. C'est vrai qu'Aurore, bah, c'est elle qui nous montre le plus la différence. Ouais. La différence entre. La robe qu'elle a dans le film. Voilà, et... parce que la robe qu'elle a dans le film, c'est hyper simple. Bah, c'est une robe de balle en plus. Hein. C'est juste qu'il y a un triangle. Quoi. Voilà, ça fait très triangulaire, ouais. C'est tout. Donc voilà, dites-nous quel a été votre préféré dans les commentaires. Et si vous connaissez à peu près les époques à lesquelles certains Disney sont sortis, dites-nous si la fameuse créatrice Claire Hummel s'est bien débrouillée. A plus tard. Salut.